Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara, Rav Yosef Chaim ben Emma Simcha, Chaim Eliou ben Shalom Nuski, Zara bat Mazal Tov, Shish Portish, Guy Yaakov ben Blanche Hadjadj. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Atra Perigimel Mishnah Zain. Lo Yiftach Adam Chalonotav Lachatzer Ashutafim, Lakach Bait Bechatzer Acheret, Lo Yiftachena Lachatzer Ashutafim. Bana liyal gabe beito, lo yiftachena lachatzer ashutim. Ela im ratza, bonet acheder lifnim mi beito, u bonet liyal gabe beito, u potcha letoch beito. Lo yiftach adam chalon, lo yiftach adam lachatzer ashutim, petach keneged petach, vachalon keneged chalon. Aya katan lo yasenu gadol, echad lo yasenu shnaim. Aval, potach hu lirshut arabim, petach keneged petach. וחלון כנגד חלון, היה קטן, עושה אותו גדול, אחד, עושה אותו שניים. Notre Mishnah va porter sur les devoirs des copropriétaires dans une cour mutuelle. On parle d'une cour donc, où il y a deux voisins qui se la partagent, qui l'utilisent. Et la première partie, la première phrase de la Mishnah nous enseigne « Lo yiftach adam chalonotav lachatzer shutfim ». Supposons qu'on a une cour mutuelle, vous et moi en ensemble. Moi, de ma maison, j'ai une fenêtre ouverte sur la cour. Vous avez deux fenêtres, d'accord? C'est comme ça qu'on a acheté les maisons, qu'on les a héritées. Peu importe. Je souhaite aujourd'hui, maintenant, ouvrir une nouvelle porte, ouvrir une nouvelle fenêtre sur cette cour, d'abord. Une fenêtre, d'accord? La Mishnah va parler d'une fenêtre. Le Yiftach Adam Chalonotav Lachatzer Ashutafim. Un homme n'aura pas le droit d'ouvrir ses fenêtres sur une cour mutuelle, une cour en copropriété. Pour quelle raison? Là, on va rentrer dans le sujet de Ezek Reya, le fait de augmenter la possibilité de voir ce qui se passe chez l'autre, le dérange davantage, l'empêche d'exploiter son bien aisément. Supposons par exemple, dans une cour, on a l'usage de faire des utilisations un petit peu personnelles, discrètes. Même dans une cour en copropriété, ça peut être se gratter le nez sans que personne ne voie. Ça peut être tout simplement faire une lessive en troussant une manche pour une femme. Ça peut être quelque chose d'un petit peu discret. Et c'est vrai que tu habites avec moi et que je suis relativement limité. Mais malgré tout, lorsque tu as une porte, une fenêtre, même deux fenêtres, je peux encore surveiller, voir que tu n'es pas là et vite faire la chose discrète que je veux faire sans que personne ne me voie. Par contre, si tu vas ouvrir une troisième fenêtre, alors maintenant il va falloir que je donne de l'œil dans trois endroits, ça va être trop compliqué. Parce que maintenant tu vas me limiter, puisque maintenant tu as la possibilité de me voir en train de faire des utilisations discrètes, j'ai le droit de t'empêcher d'ouvrir une fenêtre supplémentaire sur cette cour en copropriété. C'était la première phrase de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce schéma très joliment fait. On va d'abord lire et traduire et expliquer. C'est relativement... Bon, le principe il est clair, donc... Il est simple. Donc on va d'abord poser le principe. Après, quand on va rentrer dans les détails, vous allez voir qu'en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La kaf bait bechatzer acheret. S'il a pris une maison supplémentaire ouverte dans une autre cour. C'est-à-dire, je suis pour le moment, moi je suis le A. Je m'appelle Harry. Et vous, vous êtes le B. Vous vous appelez fou. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, vous êtes le B. On a pour le moment une cour mutuelle. D'accord ? Pour le moment, tout va très bien, c'est la bonne entente entre nous, il n'y a pas de dispute. Ce qui se passe, c'est que moi, bien sûr, je m'enrichis et j'achète la maison d'à côté. Alors là, regardez, j'ai un intérêt maintenant à vouloir ouvrir une porte ici. On va prendre le cas le plus simple pour le moment. Je souhaite ouvrir une nouvelle porte maintenant, puisqu'il y avait initialement un mur. Et maintenant que je suis moi devenu propriétaire, je me dis, bon, de toute façon, moi je suis ici, je suis déjà propriétaire sur la cour, pourquoi ne pas ouvrir une nouvelle porte ici? La Mishnah me dit, tu n'ouvres pas de nouvelle porte. D'accord? Lakar Bait Bechatzer Acheret. Si elle a pris une maison qui était dans une autre cour, elle appartenait à la cour B, cour 2. D'accord? Ici, c'est la rue, c'est les entrées de cour, une cour, deux cours. Cette maison-là, elle était initialement ouverte uniquement sur la cour 2. Et maintenant, je l'ai acquise, je l'ai achetée. Alors, Lo Yiftachena Lachatzer Ashutfin. Je n'aurais pas le droit d'ouvrir cette maison sur la cour en copropriété. Avant de rentrer dans les détails, on va d'abord lire encore les quelques autres cas de figure. Un autre cas de figure similaire. Bana liyal gabe beito. Cette fois-ci, c'est pas que j'ai acheté la maison d'à côté. C'est que j'ai surélevé ma maison, j'ai construit
un étage au-dessus de ma maison. Bana Aliya, il a construit un étage. Algabe Beito, sur sa maison. Ça n'a pas plu dans le dessin, mais c'est pas grave. Lo iftacheina la chatser hashutfim. Je n'aurais pas le droit d'ouvrir cette maison supplémentaire sur la cour mutuelle, en copropriété. C'est-à-dire, je n'aurais pas le droit de faire un escalier qui va entrer par la cour. Pour quelle raison? Le principe, il est pour le moment simple. Vous, vous êtes habitué à moi et ma petite maison. Dans ma petite maison, on peut y vivre maximum, même si on se tasse tous. Une maison en se casant à 8 enfants par chambre, alors on réussit à faire finalement avoir une maison qui a 10 personnes. Si on va avoir une maison, des enfants supplémentaires, des invités, on va se sentir obligé à la longue de partir déménager. En tout cas, donc, vous, vous estimez que quand j'ai une maison qui fait l'équivalent de 50 mètres carrés par exemple, alors on peut au maximum vivre à 10 là-dedans, mais pas plus. Alors vous me dites, vous savez quoi, moi j'ai la... Moi, vous me dites, tu es propriétaire d'une maison qui peut pas... Ou ne peuvent pas vivre plus qu'une dizaine de personnes, et même si on est des fous, on va réussir à vivre à 15, mais en tout cas on va finir un moment par partir ou par ne pas faire entrer plus de personnes. Tandis que si maintenant j'ai agrandi ma maison, alors il va y avoir plus de va-et-vient. Maintenant on peut aisément inviter tous les Shabbats, on va faire la grande fête, on va inviter toute la famille, toute la smala. D'accord? C'est clair? Donc, Bana Ali Algabe Beito, aussi il a construit une maison au-dessus, je vais simplement la louer à d'autres personnes, même à la limite. Je vais couper ma maison en deux et tout ça. Donc, lo iftachen ala chatser hashutfim, je n'ai pas le droit de l'ouvrir sur la cour mutuelle. Vous me dites, tu n'as pas le droit d'ajouter une cause de passant supplémentaire. Et là, par contre, Imratza, s'il veut, bonet acheder lifnim mi beto. Ou bonnet Ali Algabe Beito. Alors, bonnet Acheder Lifnim Mi Beito, c'est qu'il construise une chambre à l'intérieur de sa maison. Et on va expliquer dans quelques secondes de quoi on parle précisément, parce que c'est un peu plus compliqué que ça a l'air. Ou bonnet Ali Algabe Beito. Ou encore, il construit un étage à l'intérieur de sa maison. Au-dessus de sa maison, à l'intérieur de sa maison. Ou potra le tor beto, et il l'ouvre à l'intérieur de sa maison. Et on s'arrête là et on explique. Il y a en réalité plusieurs explications à cette Mishnah, on va pas faire le tour de tout, on va prendre l'avis que le Tosfot Yom Tov a choisi. Dans le Shulchan Aruch, si je ne me trompe pas, il y a les deux avis qui sont apportés, on va prendre un avis, qui est quand même le plus facilement explicable pour nous, c'est ce que le Bar Tanoura et le Tosfot Yom Tov ont choisi d'expliquer, pas comme le Tiferet Israël. Concrètement, ça se passe comme ça. Lorsque j'ai pris la maison d'à côté, donc moi je suis Ari, j'avais ma petite maison de 50 mètres carrés, et finalement, j'ai acquis la maison d'à côté, je me suis rajouté encore 70 mètres carrés, j'ai aujourd'hui maintenant... sur un étage, une maison gigantesque de 120 mètres carrés. Vous avez pas le droit de m'empêcher d'ouvrir une porte ici. Mais en réalité, vous avez même le droit de m'empêcher d'ouvrir une porte entre les deux maisons. Pourquoi? Parce que si maintenant je vais avoir une grande maison à partir d'ici, ça va devenir la folie. Je vais avoir maintenant tous mes invités qui vont débarquer chez moi. Tous les Shabbats, je vous garantis, je vais inviter toute ma famille que j'aime beaucoup, que j'aime bien les inviter. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Mais maintenant qu'on a la maison très large, alors c'est sûr qu'on va pouvoir tous les inviter. Tous les Shabbats, vous allez faire que de souffrir de moi. Ce sera le Shabbat, ce sera même aussi en Chol. Et l'autre, il a envie de partir, venir passer quelques jours à Jérusalem. Je lui dis, viens, il y a de la place chez moi. Et comme ça, vous allez vous retrouver avec avant une petite famille discrète qui entrait et qui ressortait, c'est-à-dire les enfants qui jouent un petit peu dans la cour. Mais ça va, c'est encore supportable. Vous allez vous retrouver maintenant avec 25 têtes différentes qui font que de défiler constamment dans votre cour. Vous me dites, tu ouvres pas. Tu as maintenant, dans cette cour, tu as le droit d'ouvrir une maison de 50 mètres carrés et tu t'arrêtes là. Voilà ce que vous me dites. Et donc, j'ai même pas le droit d'ouvrir les deux maisons entre elles. D'accord? Donc ça, c'est ce qui avait marqué. Et idem aussi, j'ai pas le droit de construire. Si j'ai le droit de construire un étage, vous n'avez pas le droit de m'empêcher. Mais j'ai pas le droit non plus d'ouvrir l'étage, ni dans la cour. Et donc de ce fait, ni même à l'intérieur de ma maison. Si je veux, je me débrouille pour faire un pont et que ça sorte directement sur la rue. Comme ça, le Tosfot Yom Tov, il explique, selon Tosfot, dans le Bar Tanoura, il explique. D'accord? Ça, c'est le problème de Marbé Diourine. Je vous rajoute des causes de passants qui vont débarquer encore plus dans votre cour, c'est insupportable, vous avez le droit de m'en empêcher. D'accord? C'est clair? Par contre, j'ai le droit de faire une chose que vous n'avez pas le droit, c'est ce que j'ai. J'ai le droit de l'organiser, de l'agencer, de manière à ce que vous allez souffrir de moi. C'est-à-dire, mes 50 mètres carrés, je peux décider, si je veux, de le séparer en 3 petites maisons de 12 mètres carrés et c'est 8 mètres carrés, et vous faire entrer ici une maison avec 4 enfants, une maison... Là, j'ai le droit. C'est ce que j'ai déjà, j'ai le droit. Et mieux que ça encore, même dans la hauteur,
supposons que j'ai des plafonds qui font 3 mètres par exemple, je décide, j'ai des plafonds qui font 4 mètres, je décide de faire une coulée de béton, je sais pas moi, de couper la maison en hauteur en faisant 2 fois 2 mètres. Et comme ça, je vais pouvoir faire rentrer des gens supplémentaires, un étage, un jeune couple, inviter plus d'invités dans cette petite maison. Je vais avoir les toits bas, mais en tout cas, on va réussir à rentrer 25. Sur ça, vous n'avez pas le droit de m'empêcher. Pourquoi ? Ce que j'ai déjà, j'ai le droit de l'exploiter autant que je veux, de la manière que je veux. Mais je n'ai pas le droit de rajouter même un seul mètre carré qui n'était pas prévu et de l'ouvrir dans la cour. D'accord ? C'est le principe de la Mishnah et je suis bien content qu'on ait réussi à expliquer ça sans trop nous attarder. On continue maintenant avec un sujet relativement différent, beaucoup plus simple. Supposons, on a le schéma, ça peut nous aider, même à mal oral, on peut le faire, c'est peut-être plus la peine de nous tourner sur le schéma, ça ira plus vite. Un homme n'a pas le droit d'ouvrir dans une cour mutuelle une porte contre une porte et une fenêtre contre une fenêtre. Comme je l'ai dit, on va le préciser davantage dans la suite de la Mishnah, j'ai pas le droit de changer la... d'élargir une porte ou une fenêtre, j'ai pas le droit d'ouvrir une porte supplémentaire. Mais la même porte que j'ai le droit de la déplacer. Si par exemple j'avais une porte qui était là, et finalement je décide d'agencer ma maison autrement, de la mettre de ce côté-là, personne ne peut m'en empêcher. Mais malgré tout, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est que si vous avez une porte en face, midiouk au même endroit, alors j'aurais pas le droit d'ouvrir ma porte en face. C'est quoi le problème ? Il est que des fois il fait chaud, vous ouvrez la porte. Et puis, si maintenant je vais avoir ma porte en face exactement, dès que j'ouvre ma porte, je vais voir directement ce qui se passe chez vous. Et bien sûr, on connaît bien le principe de Ezek Reya, Shmei Ezek. Il ne faut pas regarder ce qui se passe chez l'autre. Bilham Arasha, ça va être rapporté ici dans le Martanora, dans la Gemara, ça va rapporté. Bilham Arasha, quand il a vu le Ham Israël dans le désert, qui étaient tous installés. Ma caméra qui refait des siennes, ça me fatigue. Mais en tout cas, excusez-moi, je vais m'en occuper dans les prochains jours. C'est bientôt les vacances. En tout cas, Bilham, quand il a vu le Ham Israël dans le désert, il a vu qu'il y avait leur tente, qu'il y avait toutes les portes de chacun, qui n'étaient jamais une porte ou une fenêtre en face de l'autre. Il a vu ça, il a dit, Ma Tovu, Alecha Yaakov, qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes Israël, Mishkenotecha Israël, tes demeures Israël, que vous êtes un peuple tsanoua, où chacun il se replie chez soi, il est gentil avec sa petite femme, sa petite maison, il ne regarde pas qu'est-ce qui se passe chez le voisin, est-ce qu'il a une plus belle Mercedes, est-ce qu'il a une plus belle femme, une plus belle maison. Il est comme ça tsanoua chez lui, discret. Et quand il a vu ça, il a été Mishabeach Amisraël. Grâce à ça, il y a la Shrina qui réside dans le Amisraël. De ce fait, on n'ouvre pas une porte contre une porte. Idem encore, on n'ouvre pas une fenêtre contre une fenêtre. J'ai le droit de fermer une fenêtre et de la déplacer, de la mettre de l'autre côté. D'accord ? J'avais un droit d'avoir une fenêtre qui fait une largeur de 2 mètres sur la cour. J'ai le droit de la prendre et de la déplacer, de la mettre là-bas de l'autre côté. Ici, je bouche, je ferme mon mur et je la déplace de l'autre côté. Mais si vous avez une fenêtre vous aussi en face, alors là, j'ai plus le droit. Pourquoi ? Dès que je vais passer chez moi et je vais regarder ce qui se passe, vous allez être gêné, je vais voir qu'est-ce qui se passe chez vous, vous avez de l'argent, pas de l'argent et tout ça, c'est pas joli, c'est pas tsanoua, c'est pas discret, c'est pas pudique. Et donc vous avez le droit d'empêcher. Lo yiftach adam lachaser shutfim. Un homme n'aura pas le droit d'ouvrir. Donc même lorsque j'ai le droit d'ouvrir une fenêtre parce que j'ai envie de déplacer ma fenêtre, ou le droit d'ouvrir une porte, parce que sinon de toute façon j'ai pas le droit d'ouvrir une porte ou une fenêtre comme c'était précisé dans la Mishnah, dans le début de la Mishnah. Lo yiftach adam lachaser shutfim. Un homme n'aura pas le droit d'ouvrir dans une cour en copropriété. Petar keneged petar. Une porte face à une porte. Vachalon keneged chalon. Et une fenêtre face à une fenêtre. Hayakatan lo yasenu gadol. Elle était petite, il n'a pas le droit d'en faire une grande. Plus précisément, cette fois-ci, c'est Tosfot Yom Tov qui rapporte au nom de la Gemara. Si j'avais Ayakatan, Loya, Senugadol, supposons que j'avais deux petites fenêtres qui faisaient chacune un mètre. Je décide maintenant de les réunir, les deux, et d'en faire une grande fenêtre de deux mètres. Vous avez le droit de m'en empêcher. Vous me dites, parce qu'il y a une petite fenêtre, je peux mieux te surveiller. Une grande fenêtre, on voit trop franchement qu'est-ce qui se passe chez le voisin. Tu peux regarder chez moi, tu peux regarder dans la cour, ça me dérange. On continue. Echad loya senu shneim, c'est le cas inverse cette fois-ci. Il avait une grande fenêtre, il décide d'en faire deux. Un angle, je savais me surveiller, je me grattais le nez, je voyais que tu n'étais pas là. Maintenant, de deux fenêtres, je ne sais plus où me mettre et je me mets le doigt dans l'œil. D'accord ? Echad loya senu shneim, il avait une grande fenêtre, il a pas le droit d'en faire deux. Aval poteach hu lirshut arabim, petach keneged petach, vechalon keneged chalon. Par contre, si il y a ma maison et vous avez votre maison en face, on habite tous les deux en rez-de-chaussée, à hauteur où les passants, de toute façon, peuvent passer et regarder ce qui se passe chez vous. Alors là, de toute façon, vous pouvez plus, vous êtes très limité dans vos utilisations chez vous, vous ne pouvez pas faire des choses discrètes, de toute façon, à cause des passants. De ce fait, j'ai le droit, moi, d'ouvrir ma fenêtre face à vous, ou ma porte face à la vôtre. C'est ce que la Mishnah nous dit, Aval Poteach, ou. Par contre, il ouvre.
l'irshut arabim, sur la voie publique. Petar keneged petar, vechalon keneged chalon. Une porte face à une porte, et une fenêtre face à une fenêtre. Puisque de toute façon, lorsque vous laissez la fenêtre ouverte, vous savez très bien qu'il y a des passants qui peuvent à n'importe quel moment débarquer. Donc moi aussi, je suis là. Hayakatan, osoto gadol. S'il avait une petite porte, une petite fenêtre, il aurait d'affaires large. Echad, osoto shnaim. Une grande, il a le droit d'en faire deux petites, puisque de toute façon, ça a plus forte raison. Ça a fortiori, si j'avais le droit de toute façon d'ouvrir une fenêtre supplémentaire, à plus forte raison que j'ai le droit de couper une porte en deux, c'est juste pour garder la symétrie avec le début de la Mishnah. Et on a, Baruch Hashem, fini la Mishnah avec les dernières Mishnahs où on s'est allé énormément. Je pense que il faut commencer à essayer de réduire le temps. La Chatzer HaShutfim, on en était sur le premier cas. Un homme n'a pas le droit d'ouvrir une fenêtre sur une cour en copropriété. La Chatzer Sheyashlo Shutafut Ba, sur une cour où il a dedans un droit dedans, une propriété dedans. Vekol Shken Le Chatzer Chavero, à plus forte raison qu'il n'a pas le droit d'ouvrir une fenêtre sur la cour qui donne qui appartient uniquement au voisin. Mishum Mezekreya, parce qu'il lui cause un dommage par le fait qu'il le voit. La Kar Bait Be Chatzer Acheret, s'il a pris une maison dans une autre cour. Asmucha Le Chatzer Zo Sheyashlo Ba Shutfut. Lo iftar lo petach le chatzer zo. Il a pris une maison qui était dans une autre cour. D'accord, c'est notre fameux cas. Il a pris une maison qui était dans une autre cour. Le partenaire nous dit. Donc elle était mitoyenne avec l'autre cour. As lo iftar lo petach le chatzer zo. Il a vraiment besoin d'ouvrir une porte de cette nouvelle maison jusqu'à la cour. Shemar be'alem drisat haregel midiure oto bait. Pourquoi? Parce qu'il lui cause qu'il y a maintenant plus de drissat à regel, plus de marche, plus de va-et-vient, midiore autobait, des gens qui vont maintenant venir habiter à l'intérieur de cette maison. Ensuite, bonnet cheder lifnim mi beto. Ça signifie quoi? Par contre, il a le droit de construire une chambre à l'intérieur de sa maison, sheno mosif klum, parce qu'il ne rajoute rien. Et la cholek beto lishnaim. Par contre, parce qu'il fait uniquement que de séparer le bien qu'il a déjà, il a le droit de le séparer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a déjà, il a le droit de l'exploiter comme il le veut. Il avait un deux pièces, il a le droit de le transformer en quatre pièces et faire des pièces minuscules. Il n'y a plus de problème. Il avait une maison qui faisait 20 mètres carrés, il a le droit d'en faire s'il veut. Trois studios de 6 mètres 70 s'il veut. D'accord ? Puisque de toute façon, la maison telle que je l'ai, j'ai le droit de faire entrer autant de personnes que je veux, tu peux pas m'en empêcher. Si je veux les entasser et qu'on va tous marcher sur la tête l'un sur la tête de l'autre, c'est pas ton problème, tu peux pas m'en empêcher. De ce fait, j'ai le droit d'exploiter comme je veux ma maison. Pétard, Kenneget, pétard, maintenant on se rapporte sur l'histoire de même lorsque j'ai un droit d'ouvrir une porte, parce que j'ai déjà une porte, je devrais malgré tout veiller à ne pas la mettre face à la porte du voisin. D'Amar, Krakon, le passage le dit dans 20 000 bars, c'est dans les brachot de Bilham. Vaïssa Bilham et Enav, que Bilham a levé ses yeux, Vaïar et Israël Shochen et Shvatav, et il a vu le peuple d'Israël Shochen et Shvatav, qui réside chacun dans sa tribu. Mara, qu'est-ce qu'il a vu dans ça? Rach, Eloi, Opitrehen, Mechouvanim, Zek, Enegedze. Il a vu qu'ils n'avaient pas leurs portes ouvertes l'une face à l'autre. Katan Loya Senugadol, s'il avait une petite fenêtre, il n'aurait pas le droit de faire une grande. De Amarle, parce qu'il lui dit Pepetra Zuda, Zuta, dans d'une petite porte, Matinal Estano Eminar, je réussissais à me camoufler de toi. Pepetra Rabalo, Matinal Estano Eminar. Par contre, quand tu as une grande porte, je ne réussis pas maintenant à me protéger, à faire des utilisations un petit peu discrètes. Echad Lo Yaasenu Shnaim, s'il avait une porte, il ne pourra pas la transformer en deux portes. D'Amarle, Bechat, Bitra, Massinale, Sanoué. Parce qu'il lui pourrait dire, face à une porte, je réussissais à me camoufler. Par contre, Betre, Bitre, Lomatsinam, Leitsanoué. Avec deux portes, je ne peux pas. Matsi en hébreu, en araméen, c'est je peux. Pouvoir. Lomatsinale, Leitsanoué, être Tsanoua. Être Tsanoua, me camoufler, vivre discrètement. Alors, Boteach, ou Lirshutabim. Par contre, il pourra ouvrir une porte sur la voie publique. D'Amarle, parce qu'il lui dira, sauf, de quoi tu te plains? Finalement, Kabait les Sanoim, Ibn Rushutarabim, de toute façon, tu dois te protéger des passants sur la voie publique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.